No Ruth Kadiri slander is going to be tolerated. No, not even from you, Madam Jo. Bienvenue encore si je suis une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, oui, Jessie News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos Ghana must go. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, oui, ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. No Ruth Kadiri slander is going to be tolerated. No, not even from you, Madam Journalist Dr. Kemi. Not from you. Yes, you bully people. Parle présentement, les médias sont en train de faire comment? On est en train de tirer notre tantine préférée, Ruth Kadiri, à gauche et à droite. Et qui est en train de lui tirer? Notre maman Kemi Oluloyawi, la journaliste qui parle toujours de Davido et Chioma. Maman, ce qui se passe depuis l'autre jour, c'est que Ruth Kadiri a écrit sur son story, bon, elle demandait à ses fans de lui dire la personne la plus populaire sur Instagram qui insulte souvent les enfants d'autrui. Et il paraît que les fans de Ruth Kadiri, ils ont prononcé le nom de notre maman Kemi Oluloya. Je vais tout mettre ici pour vous de voir, pour que de moi ne dise pas que hey, c'est Josie qui avait nom. Je vais tout mettre ici pour vous de lire aussi, ok? Et nous allons lire certaines parties, ok? Bon, alors, quand les fans de Ruth Kadiri ont répondu, Ruth, elle-même, elle a pris ses mains, elle a écrit ceci que j'aimerais traduire pour vous. Rudy, tout le monde regarde toujours ailleurs, jusqu'à ce que le pire se produit. Ensuite, on commence à crier justice pour telle personne, justice pour telle personne. Kemi Oluloya, elle est le numéro un des médias, des réseaux sociaux, je connais, qui insulte souvent les enfants de gens, les adultes comme les parents. Tout le monde le voit. Avec elle, elle détourne souvent les regards sur les trucs qui concernent la vérité. Elle s'en prendra à vous et le fera de vous un sujet pendant un an. Hey, dédé. Et Ruth Kadiri continue à dire, de peur de cela, tout le monde est silencieux. C'est ok. Bon, Ruth Kadiri essayait de parler concernant ce petit garçon. J'ai fait une vidéo, je pense que j'ai fait plusieurs vidéos concernant ce petit garçon qui a rejoint ses ancêtres à un internat au Nigeria. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez juste en bas, ok? Vous allez voir cette vidéo. Bon, il paraît que tout le monde a parlé, sauf notre maman Kemi Oluloya. Elle n'a pas mis sa bouche là-dedans. Et les gens demandent pourquoi est-ce que quand ça arrive à un sujet qu'elle doit parler, elle ne parle pas. Mais si c'est le sujet qu'elle ne doit pas mettre sa bouche, elle met toujours sa bouche, même pendant un an. Donc, c'est Ruth Kadiri qui écrit comme cela. Bon, maman Kemi avait parlé concernant une fille. Une fille aussi tellement populaire sur Instagram appelée DJ Switch. Il paraît qu'un temps, quand ils avaient eu les affaires au Nigeria l'année passée, DJ Switch est sorti. Elle a marché avec les gens bon, pour la paix du Nigeria. Bon, maman Kemi ne fait que parler de cette fille jusqu'aujourd'hui. Et l'affaire s'est passée depuis l'année passée. Bon, Ruth Kadiri dit, pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de DJ Switch? Pourquoi ne pas parler de ce qui est présent? Donc, du fait où le petit gars a rejoint ses ancêtres et ce n'est pas quelque chose de normal. Pourquoi ne pas parler de ce sujet? Bon, la maman est revenue en disant à Ruth Kadiri que enlève vite mon nom dans ta bouche, maman. Comme je vous parle, l'affaire a déjà pris donc une route que tous les actrices nigériennes sont déjà en train de se verser sur maman Kemi. Que tu veux parler à qui? Qu'elle veut parler à Ruth Kadiri, maman.
Ruth Kadiri a dit qu'elle ne peut pas rester. Elle voit quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est bien et elle ne parle pas. Qu'elle doit sauf que pour parler. Et maman Kémy a en train de dire à Ruth que, mais tu te crois actrice. Tu dis que tu es actrice, même. Je n'ai jamais vu un de tes films sur les médias ou bien à la télé. Mais je ne te connais même pas en tant qu'une actrice. Maman, c'est là-bas alors que les gens sont sortis en disant que, ah! Que qui va dire qu'il ne connaît pas Ruth Kadiri? Sur les médias, sur la télé et tout et tout et tout. Jusqu'à il y a une actrice qui est sortie avec une vidéo que je vais laisser pour vous à la fin. Elle a dit que quoi? Tu veux parler de Ruth Kadiri? Quelqu'un qui a travaillé pendant des années dans le Nollywood. Quelqu'un qui a mis le sourire sur la face de plusieurs personnes. Quelqu'un qui aide même les gens hein, à avoir même un rôle dans le Nollywood. Tu parles d'elle. Ruth Kadiri est sortie, elle a répondu à la maman que maman, comme tu ne fais que me laver sur les médias là, s'il te plaît, moi je ne demande pas sur les médias. Je ne suis pas mamie demander à gauche et à droite sur les médias. Je ne demande pas l'argent, je ne prétends pas être quelqu'un qui n'a pas d'argent sur les médias. Ruth n'a pas dit quoi, maman? Alors, si là, comme je vous dis, le championnat est serré. Hey! Ruth a encore dit ceci, maman. Tu resteras la mère qui insulte les enfants sur les médias à toute heure. Ruth n'a pas dit quoi? Maman, laissez-moi aussi sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Parce qu'à l'heure, là, l'affaire a déjà pris une tournure entre deux personnes, donc entre deux célébrités tellement populaires, maman Kémy et Ruth, là. Écoutez à cette vidéo et à nous revoir. No Ruth Kadiri slander is going to be tolerated. No, not even from you, Madam Journalist Dr. Kémy. Not from you. Yes, you bully people. You claim that DJ Switch destabilized Lagos. Do you know what that means? Do you know what it means to say that someone destabilized Lagos? We all know what happened on that night. DJ Switch was the only one who put on her live video for the whole world to see what happened at Lekki Tollgate. We understand that you have affiliations with the government. Why don't you do it without having to attack somebody? And now Ruth pens down the truth and fact about you. You are attacking her and doing all this emotional blackmail of, I'm older than, yeah, yes, if you're older than us, then you need to respect yourself. Because respect is reciprocal. If you don't respect me, how do you expect me to respect you? If you don't respect yourself, how do you think younger ones should respect you? Why do you even expect respect when you're not giving it out? You don't just come and this young lady has been, her life has been on the line since the Lekki Tollgate incident. And this is the only insensitive thing you can drop on the internet. And now Ruth gets the courage to face you and this is what you can come up with. Please, if you want to know who Ruth Kadiri is, then go online and Google Ruth. Ruth is one of the Nollywood actresses who have created jobs. Do you know what that means? Yes, she owns a production house, very successful one. She's making sure that actors are getting jobs. She's not just a Nollywood actress, she's an entrepreneur and a producer and a mother. So please, Ruth is a very, very industrious, hardworking, smart young girl and she deserves her respect and accolades. Don't come and say you don't know her, but yeah, you're trying to tell us the things she said in the past. So you've been doing assignment on her. You don't know her. You don't even need to know her to get the truth from her. You don't need to. She doesn't need to be an A-list actress. She doesn't need to be Angelina Jolie for you to know her. Just take the fact that she spilled and go with it. Run with it. Take it to the bank.